déjà un bon. Il me fait plaisir de vous adresser la parole aujourd'hui dans ce congrès qui a justement comme thème la médecine basée sur les évidences, parce que, comme vous le savez en majorité, le Centre médical Diamant, en fait, implémente la médecine basée sur les évidences depuis son inception au Canada en 1994. Et je vais essayer de vous parler un peu de ce que Diamant fait en termes de médecine basée sur les évidences, mais avec des exemples qui sont peut-être un peu rares. Donc, oui. Alors, l'objectif principal de ma présentation, en fait, c'est de vous présenter, chers médecins, ce que le Centre médical Diamant peut faire pour vous aider avec vos patients. Donc, s'il y a une seule chose que vous tirez de la présentation, c'est que vous pouvez toujours faire appel au Centre médical Diamant pour quelques-uns des cas que je vais présenter et pour d'autres cas pour lesquels vous envisagez même faire voyager votre patient. Alors, je vais vous donner 7 exemples. Et le premier exemple, c'est en fait pour les patients avec pathologie cardiaque. Donc, il me fait grand plaisir d'annoncer aujourd'hui que ce trimestre en 2020, le Centre médical Diamant va débuter son laboratoire de cathétérisme cardiaque. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est un projet que ma femme aussi tient vraiment à cœur. Ma femme est cardiologue pédiatre des États-Unis qui est aussi ici. Et ensemble, on pourra faire beaucoup de choses dans le domaine de la cardiologie. Alors, puisqu'on parle de la médecine basée sur les évidences, qu'est-ce que le cathé cardiaque peut nous donner comme évidence? Alors, si on regarde côté diagnostic, et en fait, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais pas passer à travers tous les détails. On a une table au fond, donc venez nous visiter, les médecins pourront vous en parler un peu plus. Et enregistrez-vous si vous êtes intéressé à la journée scientifique qu'on va organiser sur les thèmes que je vais vous présenter aussi. Mais très rapidement, donc, on peut faire par exemple la coronographie, l'évaluation hémodynamique, donc pour trouver les pressions, ça c'est bien nécessaire aussi pour la chirurgie cardiaque qui est un autre projet que nous avons pour 2020. On parle de ventriculogramme, on parle de biopsie diagnostique, on parle de dépister les malformations cardiaques congénitales chez les bébés. Et surtout, donc, pour ma femme qui est cardiologue pédiatre, c'est vraiment son domaine pour dépister tout ça. Et donc, une fois qu'on a ces preuves, une fois qu'on a ces évidences, on passe à la partie traitement. Et la partie traitement, oui, il y a la partie chirurgie cardiaque qui va venir un peu plus tard. Mais sinon, déjà, même avec le cathétérisme cardiaque, on peut faire l'angioplastie coronaire. On peut fermer les trous, par exemple, ce qu'on appelle les PPA closure devices. On peut réparer ou remplacer les valves cardiaques, etc., etc. Donc, ce sujet, il est vraiment extrêmement large. On va organiser toute une journée scientifique dédiée à ce sujet-là. Mais venez nous en parler à notre table, on pourra vous donner un peu plus de détails. Le deuxième exemple que j'aimerais donner, c'est pour les patients avec cancer. Alors, nous avons un centre d'oncologie. Et encore une fois, il me fait grand plaisir de vous annoncer que Dr. Vincenzo nous a joint juste hier de l'Italie. Et il est oncologue qui va rester à temps plein au Centre médical Diamant maintenant. Et donc ça, c'était un besoin qu'on avait vu dans tout le pays du Congo et non seulement dans la province du Haut-Katanga. Ce besoin pour un oncologue. Et là, maintenant, on a cet oncologue-là. Donc, pour tous les spécialistes de la salle, pour tous les généralistes de la salle, que ce soit un cancer du col utérin, un cancer du sein, un cancer du poumon, etc., etc., nous avons un centre d'oncologie. Alors, encore une fois, quand on parle de médecine basée sur les évidences, nous, à Diamant, on peut utiliser des preuves qui viennent de notre laboratoire, par exemple. Notre laboratoire a des machines qui nous permettent de faire plusieurs marqueurs de cancer. Pour le cancer de la prostate, pour le cancer du sein, pour le cancer du foie, pour le cancer du col utérin. Donc, j'ai mentionné quelques examens qu'on fait, par exemple, le PSA total et le PSA libre, le CA125, le CA25, le CA15, BPH, ARP, ACE1, 2, 3, etc. Donc, quand vous avez des patients où vous suspectez un cancer,
Vous pouvez envoyer l'échantillon de sang à Diamant et on pourra vous confirmer avec preuve si oui ou non votre patient a un cancer. Et la partie traitement, alors comme j'ai dit avec Dr. Vincenzo, la partie chimiothérapie, et avec Dr. Kamwanga, la partie chirurgie oncologique. Donc on pourra traiter les cancers de deux manières. Le troisième exemple que je citerai, c'est pour les femmes et puis les couples qui ont des désirs de conception, ainsi que pour les bébés, donc en fait le centre mère-enfant. Alors, ici, il y a deux volets. Le premier volet, c'est le volet fertilité. Et je parlais avec quelques médecins ici, et puis personne ne savait qu'au centre médical Diamant, en fait, on fait l'insémination intra-utérine. Donc, il y a beaucoup de patients que vous avez qui ont des troubles de conception. Ils veulent avoir des enfants, mais ils ne peuvent pas. Donc, ça peut être soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Donc, notre urologue dépisterait ça du côté de l'homme et nos gynécos dépisteraient ça du côté de la femme. Et donc, ici, en fait, on parle des évidences qu'on peut trouver avec le laboratoire, donc en termes des hormones de fertilité, le spermogramme, etc., etc. Et dans le traitement, on parle de l'insémination intra-utérine. Bien sûr, les gynécologues ici vont savoir que c'est toute une démarche, on ne va pas directement à l'insémination intra-utérine. Il y a des étapes à prendre avant d'arriver à l'insémination, et nous, on prend toutes ces étapes-là. Donc, si vous avez des patientes ou des patients qui ont des désirs de conception mais qui n'arrivent pas, le centre médical Diamant est un centre auquel il faut penser. Côté obstétrique, j'ai mis une statistique ici 7% parce que personnellement je trouvais que c'était vraiment intéressant qu'en 2019, 7% des dames qui ont accouché à Diamant avaient l'hépatite B. Et le fait d'avoir dépisté ça et d'avoir eu des évidences pour ça ont permis à nos gynécologues et nos pédiatres de traiter justement le bébé pour ne pas que l'hépatite B soit active. Et encore une fois, donc c'est tout un domaine, moi je ne suis même pas médecin, mais vous pouvez venir parler à nos pédiatres et nos gynécologues de ce domaine-là. L'image que j'ai mise sur cette diapositive, en fait, c'est une image de célioscopie. Donc, depuis qu'on a ouvert le centre Diamant en 2018, on fait beaucoup d'actes par célioscopie. Donc, nos patients, ils aiment ça beaucoup plus. Je suis sûr que vous le savez tous et j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de célioscopie. Donc, je ne vais pas trop en parler, mais c'est une bonne chose. Et que ce soit célioscopie exploratrice, ou alors, on a fait beaucoup de cas de célioscopie interventionnelle pour les grossesses extra-utérines, par exemple. Donc, encore une fois, ça, c'est un autre domaine pour lequel je vous inciterai à penser au centre médical Diamant. Ensuite, le prochain exemple, c'est dans le domaine des problèmes pulmonaires et digestifs avec notre centre d'endoscopie. Donc, nous avons l'endoscopie pulmonaire, donc nous faisons les bronchoscopies, nous faisons les colonoscopies, nous faisons les gastroscopies. Et encore une fois, il y a la partie diagnostique pour diagnostiquer tout type de problème digestif et pulmonaire. Et encore une fois, en fait, Dr. Vincenzo, donc, que j'ai mentionné un peu plus tôt, est oncologue de l'Italie, mais il avait fait la pneumologie aussi en Italie avant. Et donc, lui, il est capable de faire des bronchoscopies. Il est là maintenant à temps plein à Lubumbashi, au centre médical Diamant. Donc, ça, c'est un autre centre, le centre d'endoscopie, où on pourra vous aider à trouver les évidences et à les traiter, donc que ce soit l'extraction de corps étranger, l'excès de certaines tumeurs, que ce soit donc traiter l'hémorragie digestive, etc. Ensuite, je crois que beaucoup d'entre vous le savent parce qu'on reçoit beaucoup de cas d'urgence de beaucoup de différents centres du Haut-Katanga. Le centre médical Diamant, maintenant, il est très connu pour justement les urgences, les soins intensifs et l'unité de soins continus. Donc, ici, point de vue diagnostic, bien sûr, avec le gaz du sang, donc en fait, notre machine de gaz du sang est placée dans les soins intensifs. Parce qu'on comprend l'importance de faire, donc de prendre le sang artériel pour faire justement le gaz du sang. On parle par exemple de notre laboratoire qui peut dépister 63 différents types d'intoxication. Et
Donc, pour ces deux exemples-là que j'ai mis pour les urgences et les soins intensifs, côté traitement, bien sûr, donc, nous faisons la thrombolyse, donc nous avons l'actylyse et autres. Et je crois qu'on a déjà fait la thrombolyse plusieurs fois et c'était des cas qui nous étaient transférés en fait des autres centres. Et bien sûr, nous avons aussi les antidotes pour les cas d'intoxication. Donc, l'avant-dernier exemple que je vais vous donner, c'est dans le domaine des chirurgies orthopédistes. Donc, nous avons avec nous Dr. Atos Lubenga, qui a fini son orthopédie au Sénégal, et donc qui peut être impliqué dans les chirurgies, donc les prothèses de la hanche, les prothèses du genou, donc les cas qui sont peut-être un peu plus complexes. Donc, encore une fois, si vous avez des cas qui nécessitent ce genre de support, pensez au Centre Médical Diamant. Finalement, donc le Centre Médical Diamant, en fait, le Centre Médical Diamant Lubumbashi, c'est le 7e du monde. Nous avons 3 centres à Montréal au Canada, qui existent depuis 1994, 3 centres à Kinshasa qui existent depuis 2013, et ce centre-là à Lubumbashi qui existe depuis 2018. Et le fait d'être un réseau de centres médicaux d'excellence nous permet de mettre en place la télémédecine. Et donc, par exemple, nous avons le rhumatologue à Kinshasa, nous avons l'endocrinologue aux États-Unis, nous avons donc États-Unis, Canada et Kinshasa, nous avons accès aux spécialistes qui sont là-bas. Alors, pratiquement parlant, qu'est-ce qui se passe? Le médecin vient voir, le patient vient voir le médecin à Lubumbashi. Le médecin se dit qu'il a besoin d'un spécialiste comme, je ne sais pas, le rhumatologue. Alors, le médecin à Lubumbashi va déjà en avance demander tous les bilans pour que quand le rhumatologue est impliqué, il a les preuves et les évidences en face de lui pour qu'il puisse prendre maintenant les décisions ou faire des examens cliniques supplémentaires et soit diriger le traitement à distance, soit voyager sur Lubumbashi pour faire le traitement qui est nécessaire. Donc, la télémédecine, c'est un autre domaine qu'on a implémenté grâce au fait qu'on a un réseau de 7 centres à travers le monde. Donc, juste pour conclure, l'objectif de cette courte présentation, c'était justement de vous expliquer, chers médecins, ce que le Centre Médical Diamant peut faire pour vous aider avec vos patients. Et on a donc passé en revue ce qu'on peut faire au niveau du cathétérisme cardiaque, le centre d'oncologie, le centre mère-enfant, le centre d'endoscopie, les soins intensifs et l'unité de soins continus, l'orthopédie et la télémédecine. Et j'ai ajouté ici juste une autre bulle pour divers, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses que nous faisons au Centre Médical Diamant. Et ici, j'ai mentionné par exemple la neurochirurgie, j'ai mentionné par exemple l'ophtalmologie, la dentisterie. Donc, il y a vraiment beaucoup de départements au Centre Médical Diamant. Et je vous inviterai tous à venir nous visiter, contacter le centre et vous pourrez, ce sera notre plaisir de vous faire visiter. Merci beaucoup.